Bonjour à tous, c'est Nicolas ASMR Relaxation. Aujourd'hui, comme promis, j'ai décidé de vous donner une nouvelle vidéo de relaxation portant bien évidemment sur l'ASMR. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous expliquer sur quel thème se portera notre séance de relaxation. Et pour ce faire, je vais utiliser mon micro 3D pour un effet plus avancé pour votre relaxation. Vous pouvez dès à présent mettre vos oreillettes. Donc cette vidéo sera une vidéo de jeu de rôle, de roleplay. Je vais vous proposer une coiffure, donc ce sera une coiffure pour les hommes, car j'avais déjà fait un roleplay pour les femmes. Vous pourrez le voir dans mes vidéos précédemment publiées. Et pour ce faire, je vais passer par plusieurs étapes. Il y aura donc un massage du crâne. Vous passerez au bac pour que je puisse vous laver les cheveux. Je vous ferai bien entendu la coupe. Je vous ferai les précisions à la tondeuse. Et ensuite, en petit extra, je vous propose de vous raser la barbe. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve tout de suite pour les bacs. Merci beaucoup. Alors, donc de retour pour le bac. Donc je vais vous laver les cheveux pour pouvoir vous les sécher et les couper ensuite. Allez-y, installez-vous confortablement. Est-ce que ça va à gauche? Ok. Et à droite? Super. Donc je vais vous appliquer de l'eau. N'hésitez surtout pas à me dire si la température ne vous convient pas. Super. Ça va où en ce moment? Un petit moment que je vous ai pas vu. Qu'est-ce qu'on vous fait alors comme coupe aujourd'hui? D'accord? Excellent. Ok. Donc on garde la hauteur sur le dessus, c'est ça? Et sur les côtés, qu'est-ce qu'on en fait? On raccourcit? On laisse pareil? D'accord. Ok. Pas de soucis. Hop. Voilà. Ça va, c'était pas trop chaud? Donc, je vais passer maintenant au shampoing. Alors, donc. C'est quand même une bonne longueur hein, quand ils sont mouillés. C'est quand même une bonne longueur, ouais. Vous les avez lavés ce matin? Ouais, ça se voit. Alors tout simplement parce que je le vois, parce que en fait, il mousse énormément. Et en fait, quand le cheveu mousse énormément, c'est que tout simplement. Ils sont plus secs. Un cheveu qui mousse pas, c'est un cheveu qui est gras. Et ce qui permet aux cheveux de mousser, en fait, c'est le fait d'être dépourvu de cette graisse, en fait. Donc effectivement, je vois que vous les avez lavés très récemment. Sur le dessus. Vous convient.
Ça fait une occasion spéciale, une occasion bien particulière. Non? D'accord. Une petite surprise à votre ami, peut-être? Ah. Alors, je vais essayer de tout faire pour que... Excusez-moi. Pour que vous soyez le plus beau. Alors... maintenant je vais passer au rinçage. Donc pareil, hein, si la température est trop chaude, n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Un peu trop chaud? Pas de problème. Hop. Voilà. Hop. Derrière la nuque. Super. On va tout de suite passer au séchage et je décidais de vous faire un petit massage du crâne. Je vous dis à tout de suite. De retour avec moi pour notre coupe de cheveux. Donc, comme promis, je vais vous faire votre massage du crâne. Et pour pousser un peu plus la relaxation, j'ai décidé de vous proposer quelques senteurs qui vous permettra de vous détendre encore plus. Okay. Donc, ces senteurs sont absolument magnifiques. Donc, je vais passer autour de vous et dans toute cette pièce pour créer vraiment une ambiance de relaxation qui sera propice à votre détente. Sentez ce parfum absolument, absolument magique.
ce faire, j'ai décidé d'utiliser une crème. Vous en faites pas, elle est 100% neutre. C'est juste une petite crème hydratante. Ok. Détendez-vous. Relax. Le massage du crâne est un très bon moyen pour se détendre. C'est l'un de mes massages préférés. Passer derrière vous pour vous masser la nuque. Vous pouvez garder les yeux fermés. Le massage du crâne s'est bien passé. Ok, super. Passons aux choses sérieuses maintenant. À votre coupe. Je vais commencer donc par le ciseau, tout simplement pour créer. Et je l'unirai au détail avec la tondeuse. Ok? Ma petite sacoche, mon peigne. Et la prochaine fois, couper peut-être un peu sur le dessus parce que ça va peut-être faire un peu long, à moins que ce soit voulu. On raccourcit encore un peu. Ouais, c'est ce que je me disais. Bougez pas.
tout simplement parce que c'est vrai que le matin, c'est pas évident de se coiffer, hein, surtout quand on a les cheveux longs. C'est jamais trop évident. Ok. Hop. Derrière vos oreilles. Hop. Ok. Ok, ça commence à se construire. Ok. Alors. Ça va, tout se passe bien. Ok. Vous avez une petite soif? Non. Ok. Vous n'hésitez pas à me le dire. J'ai du café, du thé, de l'eau, du jus de fruit. Faites-moi voir. Ok. On est prêt pour la tondeuse alors. Dans cette partie de la coiffure, je vais maintenant procéder au détail. Donc avec la tondeuse, j'espère que le bruit de la tondeuse ne sera pas trop agressif pour vos oreilles. C'est juste pour tracer votre nuque, le derrière de vos oreilles et vos pattes. D'accord ? Okay.
Ok. Vous avez vu, c'était pas bien méchant, ça a duré juste quelques instants. Et donc, pour terminer votre coupe comme promis, je vais vous raser. Donc je vois que vous avez une barbe de 2 jours, donc c'est parfait. Je vais juste tracer les lignes de votre barbe pour que vous soyez le plus beau, pardon, bien évidemment. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est un très vieux rasoir. Je l'aime bien parce que tout simplement, il ne coupe pas et il est très précis. Pas mal tout ça. Ça vous plaît? Ok, je vais juste rajouter un tout petit. Écoutez, j'espère que le résultat vous plaît. En tout cas, c'est absolument génial comme ça. Ça vous va très bien. Génial. Bah, écoutez, je vous dis à très vite. Et puis, je suis très content de vous avoir accueilli dans mon salon de relaxation et de coiffure. Merci beaucoup.